Salut les voileux. À votre avis, est-ce qu'il est possible de réaliser un mode international en modèle réduit? Bien, pour répondre à cette question, j'ai essayé. On a donc un mode international en modèle réduit. Ça donne ça. Pour se donner une idée de l'échelle, on a la télécommande posée à côté. Comme sur les vrais mottes, on a un palpeur situé sur le nez du bateau qui est relié au bord de fuite du foil principal pour commander l'incidence en fonction de l'immersion du bateau et pour commander l'altitude de vol. C'est automatique. C'est renvoyé par une biellette toute bête. On a un système de direction tout ce qu'il y a de plus bête et en tête de safran, un système de biellette pour contrôler l'incidence du foil de safran, pour contrôler l'assiette en tangage de l'appareil. Ensuite, les fonctions basiques, un bord déchoqué. Là, on a un système de halba, enfin de pouce-bar en l'occurrence. Et particularité du modèle, puisque c'est un navire, on va dire, pour le moins instable, et bien en fait, c'est... Voilà, très instable. Et puisque ce bateau est un dériveur en échelle réelle, pour remplacer le bonhomme qui se balade d'un bord à l'autre et qui gère l'assiette du bateau, on a un système de boîte qui se déplace au bout d'un bras avec toute la radio embarquée. Voilà, donc tout passe par un système de commande textile renvoyé au niveau de l'axe. Donc ça devrait permettre de faire voler l'engin. Bon, après quelques essais infructueux, je suis bien obligé d'avouer, on ne remplace pas un bonhomme par trois bêtes cerveaux et une télécommande. Ce merveilleux engin aurait dû voler, aurait dû flotter, aurait dû naviguer. En vrai, il a fait quelques départs, quelques accélérations, des beaux lifts, c'est-à-dire il est monté sur ses patins. Mais malgré mon système de boîte capable de se déplacer d'un bord à l'autre pour figurer le poids du pilote, du navigateur, eh bien, le bazar avait quand même une tendance à partir à la gîte au lieu de naviguer contre JT. Et du coup, c'était gamelle assurée pour le bateau et tout ce qui était dessus. Donc, on va rester sur des bateaux classiques, hein, des coques qui fonctionnent en archimédien. Les foils, ce sera des foils moustache ou des foils type DSS pour rigoler, pour s'amuser. Mais le tout foiler, eh ben, j'aurais essayé, en monocoque en tout cas. On va dire que c'était quand même sacrément irréalisable, mais ça fait un bel article de décoration, vous trouvez pas? Allez, à bientôt pour une prochaine. Salut. Donc ça fait un magnifique article de décoration pour mettre dans un salon. Et on peut dire qu'il a un petit peu de la gueule quand même, l'article de décoration.